Un GMD, oui, c'est ma spécialiste. Moi, je suis junior doctor. Et l'association, directeur de l'entreprise. Alors, nous, ça a fait 20 réunions aujourd'hui, là, j'ai fait 4 réunions depuis ce matin. This is to get the input of the different organizations, the different associations. Second, the new one, what they feel about, ça suggère les double practices. Mais personnellement, qu'en pensez-vous de double practice? C'est seulement un mot technique. But, il y a un paquet. C'est ça, pas un paquet, mais un petit poignet de trucs qui a fonctionné. Sur le budget qu'on contrôle, ça n'est pas capable de médecin, car le gouvernement peut payer pour 9h à 4h qui arrivent à l'hôpital, donc ça n'est rien. C'est pas possible. Alors, nous faisons la cause sans que nous faisons le cerveau au système. Par rapport à deux pratiques, est-ce qu'on propose un nouveau mode d'horaire de travail? Non. On ne propose rien. Nous ne propose rien. Nous juste écoutons ceux qui ont l'opinion là, et les gens will decide. En dehors, on a plusieurs épines et quand la faille est située par rapport à contrôle des horaires par médecin. Moi, je suis pas professionnel. Je dois prendre la responsabilité. Donc, le directeur de l'hôpital est également impliqué dans. Non, il n'est pas directeur de l'hôpital. Et mon gagne l'occasion de conseiller un directeur d'activité aussi. Je suis accepté que. Si quelqu'un vient dans les problèmes, je ne connais pas ce qu'il y a, ce n'est pas ni dans le livre, ni pas dans le livre, etc. Mais là, nous, et qui sait qu'il y a un travail, tu dois parler de practice, les femmes qui ont un travail, tu dois parler de practice. Je ne veux pas comme ça. Alors, mon point fond d'autre, qui sait qu'il y a un droit de parler de practice, qui sait qu'il n'y a pas encore. Et là, je te connais. Et là, je vois revenir ma cour, et là, je suis comme ça. Pour la réunion d'aujourd'hui, ça a été. Je n'ai rien contre à dire. C'était cordial, c'était très positif. C'est mieux que Kalikani Gaïan. Beaucoup plus mieux. Donc, qui ministre propose ça, justement? Et au fait, une cause, plus le tient un agenda pour aujourd'hui, le private practice, le continuous professional development, le propriété de l'hôpital, communication, tout ça, il tient à ce propre agenda. Mais c'était OK. Et pour moi, c'était une réunion très très positive. Mais j'espère le rencontrer aussitôt que possible concernant notre problème de chiffre système. Et est-ce que vous essayez de résoudre ce problème de prêt? Bon, l'une demande, nous l'opinion, nous views, nous demande suggestion, mais décision finale, je pense que ce sera pour lui. Nous maintenir le point comme nous disons dans le passé, nous faisons des supports, des spécialistes, des consultants, parce que pour nous, au niveau de l'association, nous pensons que dans n'importe quelle décision on prend, il ne faut pas que ce soit le patient qui paye l'évocation. Et nous disons que chaque patient a le droit de choisir son médecin. Mais si nous pouvons bannir sa right to private practice là, il n'est pas comme ça du tout. Et à la fin de la journée, c'est le patient qui va souffrir. Donc, moi, je pense qu'on doit laisser la situation comme il était. Bien sûr. Et il y a des brebis galeuses, ça, je ne vais pas mentir. Mais il faut simplement renforcer les lois qui existent actuellement. Chiffre système, on a évoqué la question du chiffre système avec le ministre. Et comme il nous a dit, bon, ce n'était pas sur son agenda aujourd'hui, il n'a pas encore vu le dossier du chiffre système. Et je lui ai expliqué que nous avons... Et un meeting avec la commission médiation et conciliation le 28 février et que j'espère qu'on va le rencontrer avant notre rencontre avec la comité conciliation et médiation et il nous a promis qu'il va faire son mieux, qu'il va nous rencontrer. Et qui va nous prendre souci par rapport à chiffre système? Bon, chiffre système, comme c'était toujours le cas, nous tenons 15 meetings, si nous racontons 15 réunions avec les officiers du ministère. Il n'y a pas aucun consensus sur la modalité du chiffre système. Et c'est ça qui nous bataille au fait. C'est la modalité du chiffre système. Comment vous faites chiffre là, qui l'air. Bon, toute modalité, parce que nous sommes même du ministère à Tannes avant Pierre Bissotti. Et ce Pierre Bissotti, là, nous fait chiffre système. Mais
ça a été imposé par son prédécesseur sur nos médecins généralistes. Là, actuellement, il y a 80 médecins qui sont en train de travailler en chiffre système dans les 5 casualties de nos 5 hôpitaux régionaux. Et c'est la frustration, c'est la fatigue, c'est pas correct du tout. Quoi. Dans les deux cas, en ce qu'il s'agit de pratique et aussi chiffre système, je finis toujours déployer un manque de communication avec le ministère. Avec le ministère, oui. Ben, là, j'espère que ce ne sera pas comme ça. Et je crois, j'en suis presque sûr que ce ne sera pas comme ça.